Un temps pour tout, et celui d'ouvrir la Bible ensemble est arrivé. Ce soir, je suis heureux de laisser la place à Guillaume. Je ne sais pas où vont être ses plus fervents soutiens, mais je pense qu'ils vont être au premier rang, ses plus fervents soutiens, accompagnés par tous ceux qui sont derrière le premier rang. Pas vrai, on est heureux, on veut s'encourager les uns les autres dans toutes les formes de services qu'on puisse accomplir. Mais vous savez que dans la prise de parole publique, vous pouvez l'imaginer, il, il y a une prise de risque qui est plus forte que dans d'autres cas de figure. Hein. Alors on veut encourager tout le monde et ce soir on veut encourager Guillaume et tous ceux qui servent le Seigneur dans la prise de parole au milieu des enfants ou ailleurs. Que le Seigneur vous bénisse tous. Guillaume, on est heureux avec nos frères et sœurs en ligne de te laisser la parole et d'écouter ce que le Seigneur a mis sur ton cœur pour nous. Merci, bonsoir à tous. C'est une responsabilité, mais Dieu est fidèle. Dieu est vraiment fidèle. Se peut-il ce soir que un d'entre nous soit venu à l'église sans attendre une grâce de la part de Dieu Se peut-il ce soir que quelqu'un prie sans attendre que Dieu réponde à la prière Peut-il ce soir que nous ouvrions la parole de Dieu sans attendre que Dieu nous parle? Et il y a quelque temps, je, je lisais la parole de Dieu comme vous le faites, et je changeais de livre, toujours dans la Bible, hein, mais je changeais de livre, et euh, avec une certaine audace, j'arrive dans un livre et, et je dis simplement Mais Au final, ce livre il ne me parle plus. C'est assez audacieux quand même de dire ça. Et, et je me suis dit simplement, ben, je vais continuer à le lire, parce que malgré tout, c'est la parole de Dieu. Et, et je pense qu'à ce moment-là, le Seigneur s'est dit, ben, lis. Et puis dans quelques versets, dans quelques chapitres, on en reparle tous les deux. Et, et c'est vrai qu'il n'a pas fallu beaucoup de chapitres pour savoir que Dieu nous parle, même lorsqu'on connaît l'histoire. Et Dieu nous parle même si je connais le récit que je suis en train de lire. Et Dieu me parle même si je suis en capacité de réciter sa parole. Parce que Dieu nous attend là où nous ne l'attendons pas forcément. Et Dieu parle encore. Et il est étonnant de se dire que cette parole qui ne change pas, qui ne changera pas dans un monde qui lui évolue, qui est en constante évolution, et cette parole garde toute sa capacité à nous interpeller. Elle garde toute sa capacité à viser avec justesse et précision dans nos vies et combien nous en avons besoin. Et cette parole merveilleuse, elle nous relie à notre Dieu. Et elle permet cette proximité. Elle favorise ce contact avec notre Dieu. Alors ce soir, on peut dire, je peux dire, vous pouvez dire avec moi, si Dieu ne change pas. Si sa parole ne change pas, alors je peux vivre encore aujourd'hui ce qu'elle promet. Je, je réfléchissais à, à la parole et, et, et pour nous, une parole, ce sont des mots, ce sont des syllabes, ce, ce sont un bruit. Mais pour Dieu, sa parole, elle est vivante, elle est efficace. La parole de Dieu, ce ne sont pas que des mots, ce ne sont pas que des syllabes. La parole de Dieu, elle est, elle est vivante, elle est efficace. Et j'aimerais voir avec vous comment Dieu s'intéresse à nos vies, non pas seulement à des instants importants, à des carrefours décisifs, mais combien il veut construire avec nous. Il veut développer une relation étroite, je dirais même du sur-mesure. Et j'aimerais lire avec vous ce psaume 32 que nous lirons entièrement, le psaume 32. Un psaume de David, cantique heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tue, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de champs de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mort dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui est droit de cœur. Dieu aime chacune de ses créatures, sans aucun doute, mais Dieu partage avec ses enfants, avec ceux qui lui appartiennent, avec ceux qui choisissent de vivre dans la droiture et la transparence, Dieu partage une relation privilégiée. Et cette relation privilégiée, on l'a au verset 8, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Quelle promesse, quelle promesse de proximité, quel privilège de vivre la proximité avec Dieu. Cette proximité, elle est assez simple. Lui et nous, lui et vous, lui et toi. Quand je suis en présence de Dieu, je suis en présence de celui qui est extraordinaire. Mais je ne fais rien d'extraordinaire, je suis, je suis juste là où Dieu m'attend. Et ce qu'on voit dans ce passage, c'est que tout nous vient de lui. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Dieu est initiateur, Dieu est à l'initiative. J'allais dire, Dieu prend les choses en main. Et c'est merveilleux de se dire que lorsque je me mets à part, Dieu se met à part. Lorsque je prends du temps avec lui, lui prend du temps avec moi. Lorsque je note sur mon planning rendez-vous avec Dieu, alors Dieu sera au rendez-vous. Non qu'il réponde à mes caprices, mais il aime ma présence. Dieu aime ma présence. Vous le croyez On se rappelle que Jésus a dit je vais vous préparer une place afin que là où je suis vous y soyez aussi. Dieu aime notre présence. Il y a deux acteurs dans ce verset, il y a Dieu, il y a nous. Il y a celui, il y a la part de Dieu, son rôle, celui qui va transmettre celui qui va nous instruire, celui qui va nous guider, celui qui va nous conseiller, celui qui va veiller. Et, et j'aimerais voir avec vous que ce verset est, est comme une promesse, est comme une projection. Les verbes sont au futur et Dieu, Dieu s'engage avec nous. Dieu nous promet la promesse qu'il prend en main notre avenir, notre vie. Et ce soir, peut-être que tu as besoin d'entendre que pour Dieu, tu as un avenir. Un avenir qui est tracé. Dieu se projette avec toi. Un engagement de Dieu au jour le jour. Un suivi régulier. Et cet avenir de Dieu pour ta vie, il n'est pas forcément comme tu l'as imaginé. Mais il est le meilleur pour toi parce qu'il vient de lui. Et je crois qu'en réalité, Dieu ne rentre pas dans nos projets, c'est nous qui rentrons dans les siens. Un avenir qui n'est pas forcément comme tu l'as imaginé, mais il est le meilleur pour toi parce qu'il vient de lui. Si notre espérance est de voir Dieu dans le ciel, dans sa gloire, d'être transformé à son image, par ce verset, Dieu veut nous dire qu'il ne va pas attendre là-haut. Déjà, il veut faire des choses avec nous. Déjà, il veut investir dans nos vies. Et cet investissement, cette transmission, on l'a par ces simples mots que je disais tout à l'heure Je instruirai toi. Je montrerai à toi la voie. Je conseillerai toi. J'aurai le regard sur toi. Il y a comme une transmission, il y a comme cette proximité entre Dieu et nous. Dieu investit nos vies, Dieu veut passer du temps avec nous. Je disais, lorsque je passe du temps avec lui, il est là, Dieu agit en nous, il y a un partage de connaissances, je t'instruirai. Dieu nous fait connaître qui il est, qui nous sommes. Dieu nous révèle ses principes, sa manière de vivre, de penser, sa mentalité. On pourrait voir Dieu comme un enseignant, comme ce précieux pédagogue. Et, et on pourrait se contenter, sans doute que vous aussi, vous, vous avez ça, d'une application qui nous envoie un verset biblique par jour. Et C'est vrai que des fois... Euh, si on n'a pas eu le temps dans notre planning, on peut se rassurer, on se dit, ah, j'ai reçu un verset biblique, j'ai lu la Bible, c'est verset automatique. Mais je crois qu'il nous faut attendre à ce que Dieu nous parle dans le lieu secret. Il le fait ici par la bouche de ses pasteurs, c'est évident. Il y a ma piété, la communion fraternelle, il y a ma piété, l'enseignement pastoral, l'un et l'autre sont précieux et complémentaires. Mais combien Dieu veut investir en moi. Dieu veut investir en moi. Une promesse, un investissement, un cheminement, un guide. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Et, et Dieu veut plus qu'on fasse appel à lui que lorsqu'on a une galère. Il le fait, il est fidèle. Mais il y a la notion d'accompagnement divin, un cheminement, une progression. L'image de ses parents qui ont photographié son enfant de 1 an jusqu'à 20 ans et qui ressortent l'album et on voit l'enfant évoluer âge après âge. Et, et je crois que Dieu, il est comme ça. Il nous regarde évoluer, il, il suit notre vie. Un cheminement, un guide. Dieu veut agir en nous pour qu'on devienne ce que nous ne sommes pas encore aujourd'hui. Et Dieu sait nos besoins de progression. Il en est bien plus conscient que nous. Qui n'a pas besoin de l'instruction de Dieu, qui n'a pas besoin que Dieu lui montre la voie, qui n'a pas besoin du conseil de Dieu. Et ce cheminement, ce guide, nous rappelle combien nous devons aimer l'humilité, chercher l'humilité, reconnaître ce que nous sommes, même en tant qu'enfants de Dieu, prompt à la faiblesse. Nous sommes, en, nous sommes en devenir, et donc Dieu encore du travail à faire en nous. Une promesse, un investissement, un cheminement, et puis Dieu dit :« J'aurai le regard sur toi. » Le fait que Dieu veuille nous apporter l'instruction, la révélation, le conseil nous montre que ce travail de Dieu en nous nous permet de vivre. Nous permet d'évoluer dans une marche sécurisée et rassurante. Et quand Dieu dit j'aurai le regard sur toi, il ne dit pas t'ai à l'œil. C'est peut-être quelque chose que vous avez entendu quand vous étiez plus jeune. Moi, je l'ai entendu. Et, et Dieu ne dit pas t'ai à l'œil. Dieu dit j'aurai le regard sur toi. C'est comme un regard d'approbation et pourquoi dieu peut avoir ce regard d'approbation parce que au final on a, on a accepté son instruction on a accepté qu'il nous montre la voie on a suivi la voie qu'il nous montrait et on a marché dans l'obéissance à ses conseils et parce qu'on a fait ceci alors il dit j'aurai le regard sur toi Un investissement, une transmission, un cheminement et, et tout ça dans la proximité. Dieu prévoit notre avenir dans la proximité. Dieu prend en main notre avenir dans la proximité parce que Dieu aime être proche de ses enfants. Et cette proximité, elle est voulue par Dieu mais elle ne nous sera pas imposée. Dieu n'imposera pas, nous imposera pas sa proximité. Il y a un choix à faire. Je disais au début que tout nous vient de lui, mais Dieu ne fait rien sans nous. Si tout nous vient de lui, Dieu a besoin de notre accord. Et on a parlé de la part de Dieu, on vient de la voir, et il y a cette part qui me revient de choisir cette proximité parce que l'instruction demande de l'écoute. Le guide attend notre confiance. Et le conseiller, notre obéissance. Et choisir la proximité, c'est accepter cette promesse. Se rendre compte que ce Dieu si grand, ce Dieu si saint, ce Dieu si parfait, veut vivre avec moi au quotidien et quelque part s'abaisser à ma faible condition pour travailler en moi, pour travailler avec moi. Oui, Dieu veut m'instruire. Oui, Dieu veut me montrer la voie. Oui, Dieu veut me conseiller. Oui, Dieu veut avoir son regard sur moi. Une promesse se reçoit, s'accepte, se croit et cette promesse... Elle ne peut se réaliser que si les deux parties sont réunies. Si Dieu a toute la sagesse, si Dieu a toute l'intelligence, il ne peut transmettre une partie de sa sagesse, une partie de son intelligence qu'à celui ou celle qui l'accepte et qui la reçoit. Et, et choisir la proximité, c'est se rendre disponible pour Dieu. Je crois que l'attente de Dieu ici est la suivante. Est-ce que je suis disponible pour lui Parce que sans disponibilité, il n'y a pas de proximité. Si je ne suis pas disponible, je ne pourrai pas vivre cette proximité. Et vous le savez, pour, vous le savez comme moi, ma disponibilité pour une personne en dit long sur l'intérêt que je lui porte. Ce pourquoi je suis le plus disponible, ce pour qui je suis le plus disponible révèle mon véritable attachement. Et lorsque une jeune fille et un jeune homme commencent à s'apprécier, commencent à s'apprécier de plus en plus, commence vraiment à s'apprécier ils savent que si ils veulent plus de proximité s'ils veulent plus de disponibilité il faudra s'engager il faudra faire un choix ce choix on le sait il symbolise le mariage et quand ce choix sera fait alors ils seront l'un et l'autre disponibles ils seront l'un et l'autre en proximité et je crois que nous-mêmes en tant qu'enfants de dieu il nous faut choisir d'être disponibles pour dieu dieu attend que son peuple soit disponible pour lui. Et j'aimerais terminer simplement par, euh, par vous lire ce passage de Luc. C'est un passage que l'on connaît bien. Comme Jésus était en chemin sur, avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur écoutait sa parole. Marthe occupé à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. On connaît ce récit et il est intéressant de voir le point de vue de Jésus, qui ne met pas en opposition le service et la communion, mais il met en avant la notion de priorité. Jésus ne dit pas que le service serait inutile, il dit qu'il y a un temps pour toutes choses et qu'il convient de prioriser l'essentiel. Marie a choisi la bonne part et pour elle, la bonne part, c'était d'être assise au pied du Seigneur et d'écouter sa parole. Elle a fait un choix personnel. Elle était en famille et en famille, elle a fait un choix personnel. Elle a choisi la proximité de Jésus et de sa parole. Elle s'est assise. Elle a pris du temps pour se concentrer sur l'essentiel et vous avez remarqué, Jésus dit ⁇ Une seule chose est nécessaire ⁇ C'est assez réducteur. Une seule chose est nécessaire. Mais je pense que dans la bouche de Jésus, ça avait tout son sens. Une seule chose est nécessaire. Et je crois, mes frères et sœurs, que chaque jour, nous devons avoir cet instant où une seule chose est nécessaire. On ne sait pas le temps, mais sûrement ce temps... En quantité, on ne sait pas, mais en qualité, était un temps de qualité. Et je crois qu'il est important que cette seule chose nécessaire, nous, nous la fassions comme une priorité dans nos vies. Une seule chose est nécessaire choisir la proximité, choisir la disponibilité, afin que Dieu puisse faire en nous ce qu'il veut faire afin que Dieu puisse passer du temps avec nous. Et lorsque je grandis dans ma disponibilité pour Dieu, je grandis dans ma proximité avec lui. Ma disponibilité donne à Dieu l'opportunité d'agir en moi. Et je crois que, quel que soit notre âge, même si nous sommes jeunes, nous pouvons vivre des temps bénis avec Dieu, que personne verra si ce n'est lui et vous, mais des temps de visitation. C'était les quelques pensées que je voulais partager avec vous. Mes frères et sœurs, je vous invite à vous recueillir et puis nous prierons dans ce sens. Seigneur, on veut te dire merci. Merci pour ta parole. Merci pour cette parole qui est si précieuse pour nos âmes. Merci parce que non seulement tu es Dieu dans le ciel, tu es Dieu rempli de gloire, mais tu es ce Dieu qui daigne passer du temps avec nous. On veut te prier ce soir afin que tu nous aides à grandir dans notre disponibilité, tu nous aides à grandir dans ce temps que nous pouvons mettre à part pour toi. Seigneur, assurément, le lieu secret, ces temps dans le lieu secret ne sont pas des temps perdus. Merci, merci de nous aider à grandir dans ce domaine. Merci de nous aider à faire les choix qu'il convient de faire pour ta gloire, mon Dieu. Amen.